Merci de nous rejoindre pour ce 13h, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue. De nouveaux juristes sur le marché de l'emploi avec la sortie de la promotion 2007-2011 de la Faculté des sciences juridiques et politiques. Cette promotion porte le nom de Yacouba Katilé, secrétaire du Syndicat national des douanes du Mali. La cérémonie de baptême s'est déroulée dans l'enceinte de la dite faculté où est allé voir Sokona Kamisoko. De l'ambiance à la Faculté des sciences juridiques et politiques, pour cause la sortie de promotion 2007-2011. Cette promotion porte le nom de Yacouba Katilé, secrétaire du Syndicat national des douanes du Mali. Elle compte environ 6000 étudiants. Yacouba Katilé restera à jamais un cadre modèle pour l'amicale de la promotion 2007-2011 de la Faculté des sciences juridiques et politiques. Monsieur Yacouba Katilé, capitaine, secrétaire général du Syndicat national des douanes de son État, M. Katilé est cette personnalité que nous avons choisie avec nos cœurs respectifs qui demeure marquée au quotidien par l'impact et la pertinence des différents actes qu'il ne cesse de poser au grand bonheur de tous les fils et de toutes les filles de ce pays. Des conseils ont été prodigués à ces jeunes. Le trajet était long, mais le plus dur reste à faire parce que, après cette formation, vous serez face à la dure réalité de la vie. Donc, il n'y a que le travail qui va vous sauver. Une remise de diplôme de reconnaissance et une prestation d'artiste ont agrémenté cette fête. Action de solidarité, l'ONG Tabia Nyuma vient de lancer une caravane humanitaire pour aider les couches en situation de handicap. À travers une telle initiative, les responsables veulent apporter leur contribution à mieux coordonner les actions menées en faveur des personnes en situation de handicap. Et pour plus de détails, écoutons le secrétaire exécutif de la FEMAF, Mamadou Diakité. Il est au micro de notre reporter Adama Koulibaly. C'est de faire une quête de façon générale, de toute nature, à l'endroit des personnes handicapées, de façon globale, mais surtout spécifiquement à l'endroit des personnes handicapées déplacées. Cette caravane, avant de démarrer pour aller dans les régions, va faire une somme de quêtes au niveau des grandes associations islamiques, auprès de toutes les autres confessions religieuses, afin que les personnes handicapées qui font partie des pauvres, des plus pauvres, imaginez, si vous partez dans la rue et que vous voyez des enfants, s'il y a des enfants handicapés, ne doutez pas que ces enfants handicapés sont encore plus pauvres que les autres. Et c'est pourquoi l'ONG Tabia Nyuma a voulu faire une réflexion qui a abouti à la quête de dons au seul bénéfice des personnes handicapées. Et pour le pèlerinage à la Mecque, c'est dans 2 jours que commencent les inscriptions et ce jusqu'au 7 septembre en ce qui concerne la filière gouvernementale. Ça sera à la maison du Hadj à Amdalaye. Le coût du pèlerinage s'élève cette année à 2 355 470 francs CFA, un coût qui a connu une augmentation par rapport à l'année dernière. Alors, qu'est-ce qui justifie cette augmentation? La réponse dans ce reportage de Ibrahima Traoré. La campagne pour le pèlerinage 2012 est lancée. Les inscriptions débutent lundi pour s'achever le 7 septembre prochain. Cette année, la filière gouvernementale attend 1 700 pèlerins. Le coût du pèlerinage est fixé à 2 355 470 francs CFA. Et l'on constate du coup une augmentation par rapport à l'année dernière. Les raisons sont multiples. Cette augmentation est essentiellement due aux conditions de séjour en Arabie Saoudite. Il s'agit essentiellement du bâtiment hébergeant les pèlerins à Médine. Contrairement aux autres années où le bâtiment se situe à 2 km
de la Sainte Mosquée, prophète paix et salut sur lui. Cette année, nous avons un bâtiment de haut standing situé seulement à 100 mètres de la Sainte Mosquée du prophète paix et salut sur lui. Aussi, ce bâtiment a fait l'objet de beaucoup de rénovations, d'importantes rénovations qui ont influé effectivement sur le coût. Et le dernier point qui justifie à peu près l'augmentation, c'est le pécule de moutons pour épargner les pèlerins des différentes tracasseries auxquelles ils sont sujets à la Mecque. Pour cette édition, le transport des pèlerins sera assuré par Al-Madina Voyage et Nasser. C'est un groupement de transporteurs choisi à la suite d'un appel d'offres international. D'autres nouvelles dispositions sont prises par le gouvernement pour faciliter davantage le séjour et les conditions de voyage des pèlerins maliens. Cette année, on a estimé qu'il fallait laisser le soin aux pèlerins de choisir leur valise, mais à condition de respecter le calibrage. Les valises sont calibrées à 23 kg. Puisque chaque pèlerin a droit à des valises, le poids total des valises ne doit pas dépasser 46 kg. L'appel, c'est d'inviter les pèlerins maliens, toutes filières confondues, au respect strict de la réglementation saoudienne. Le gouvernement a également un œil sur la filière privée qui a en charge 6300 pèlerins. Les deux parties se retrouveront dans un cadre de concertation tout au long de la campagne, dit le chef du cabinet du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Le but, selon lui, est d'harmoniser les différentes interventions pour permettre aux pèlerins maliens d'accomplir facilement leurs devoirs religieux. Et nous sommes au mois de carême, il faut des stocks de denrées alimentaires pour les populations. Pour rappel à ce sujet, le gouvernement et 66 opérateurs économiques avaient signé des cahiers de charges et c'était pour l'importation de plus de 600 000 tonnes de riz et autant de tonnes de sucre. Les cahiers de charges commencent à être exécutés de façon satisfaisante à la date du 19 juillet dernier. Les opérateurs concernés ont déjà importé plus de 100 000 tonnes de riz et 34 000 tonnes de sucre. Pour d'amples informations, écoutons le directeur national du commerce et de la concurrence, Maman Assouman Touré. Il est au micro de Bourama Traoré. À date du 19 juillet, ce qui a été importé en riz, ça fait 103 000 tonnes. Ça fait plus d'un mois de consommation. Et pour le sucre également, ils ont importé 34 000 tonnes. Soit 40% de ce que le gouvernement même avait souhaité. Et pour le riz, ça fait 86% déjà de la quantité que le gouvernement a souhaité. Sans compter qu'au niveau de Soukala seulement, nous disposons de 11 000 tonnes de sucre non encore enlevées. À la date du 19, comme je l'ai dit, nous disposons de 90 jours de consommation, soit 3 mois déjà, 3 mois d'autonomie de consommation. Par rapport au prix également, il a été demandé aux opérateurs importateurs, en ce qui concerne le riz, de donner le prix de gros à 315 francs et le prix de détail 340 francs. Et là, il faut préciser également qu'il ne s'agit pas de toutes les catégories de riz. Précisément, les riz de large consommation, c'est-à-dire le 25% brisure, et la brisure est 100% brisure non parfumée. Et pour le sucre également, dans les cahiers de charges, ce qui a été retenu, c'est de céder le sucre en gros à 515 francs et le détail à 540 francs le kilo. Dans la grande majorité, les prix sont respectés. Il est clair que souvent, il y a quelques dérapages. Des fois, c'est dû à la cession auprès de grossistes. Parce que là, souvent, quand le grossiste passe par le demi-grossiste, ensuite le demi-grossiste qui passe au détaillant, c'est ce qui amène souvent ces dérapages. Et là, le ministre a beaucoup insisté sur la question en demandant exceptionnellement pendant le mois de Ramadan aux grossistes de céder directement au détaillant et à des quantités minimales. Une autre disposition, nous avons mis en place des numéros verts. Tout ça dans le cadre de la surveillance, n'est-ce pas, de l'effectivité de ces prix-là. Et au niveau de la direction nationale, nous avons le 20 73 19 19
Au niveau du district, nous avons le 20-73-04-00. Culture à présent et direction Koutiala, où les autorités locales tiennent à relancer l'orchestre Le Koulestar. Elles ont offert de nouveaux instruments à la nouvelle génération du Koulestar, un geste qui traduit la volonté des responsables politiques à valoriser la culture Minyanka. La soirée inaugurale de la prestation des jeunes artistes s'est déroulée au centre d'éducation populaire et c'était en présence d'un public nombreux, nostalgique de leur orchestre. C'est ce que nous dit notre correspondant Outanga Dambélé. Créé dans les années 1959, l'orchestre de Koulestar de Koutiala a traversé les moments de turbulence malgré l'ambiance qui animait les musiciens qui le composaient. Il fit son premier enregistrement à la radio en février 1992 avec des stars comme Amadou Bakayoko. Son deuxième enregistrement eut lieu en 1997 avec Ablaye Diabaté comme leader vocal. De 1999 à 1980, ce fut la léthargie. En 1982, après la biennale, le Koulestar fit son chemin jusqu'à l'émergence de la formation de Ablaye Diabaté qui mit fin au Koulestar vers 1989. Consciente de cet état de fait, les autorités locales, avec l'appui des partenaires comme Alençon, la ville jumelle de Koutiala, ont décidé de donner une nouvelle vie au groupe Koulestar en lui fournissant de nouveaux instruments. La soirée inaugurale du Koulestar nouvelle version s'est déroulée au centre d'éducation populaire en présence des autorités administratives et politiques du cercle. Les jeunes qui composent le Koulestar d'aujourd'hui sont dirigés par 4 anciens de l'orchestre. En donnant ce nouveau souffle à l'orchestre, les autorités visent l'exploitation, la revalorisation et la pérennisation de la culture Minyanka. Le conseil du cercle s'est engagé à payer ses matériels pour un montant de 5 millions et quelques. Nous savons aujourd'hui que le Koulestar, c'est la vitrine de la culture Minyanka. Koutiala a désormais son nouvel orchestre qui fera vibrer les cœurs dans le Minyankala en particulier et le Mali en général. Bon vent au Koulestar de Koutiala. Voilà, Tiemogo Sagara qui a donc prêté sa voix à Outanga Dambélé. L'AGED, l'Association des jeunes pour l'épanouissement du Daoudabougou pour un Mali vert, a initié une journée de reboisement. Les jeunes de cette association ont planté une centaine de pieds de flamboyants et d'arbres à étages. Et selon le président de l'association, Brima Sissoko, l'AGED depuis 2 ans initie des activités d'assainissement dans le but d'avoir un quartier où il fait bon vivre. Ils se sont joints à la cérémonie les imams des mosquées de Daoudabougou, des agents des eaux et forêts, ainsi que des chefs de quartier. Et nous en venons au dossier du jour. Il est consacré à la gestion des dons aux populations du Nord et à celles déplacées à Bamako. Déjà, 980 tonnes ont été acheminées vers le Nord. Les populations présentes à Bamako ont été recensées pour recevoir les dons. Les remises se font au niveau des mairies. Mais le constat est que des familles ont été recensées mais n'ont pas bénéficié de dons. Quant à la distribution, elle est publique et les avis sont partagés sur le sujet. Gestion des dons pour nos compatriotes du Nord. Un dossier signé Alpha Maïga. Nous sommes à la société Tougouna Agro-Industrie. Son président, directeur général Seydou Nantoumé, a préféré remettre directement au chef de village de Bourem 10 tonnes de riz et 1000 moustiquaires imprégnés. Et la valeur du don s'élève à 12 500 000 francs CFA. Autre acte de bienfaisance, cet autre don remis cette fois-ci au ministre de l'Action humanitaire destiné à l'ensemble des populations des régions du nord du Mali. Alors, quelle est l'approche idéale? S'il y a eu un département qui a été dédié à l'action humanitaire, c'est parce que le contexte l'exige. Et nous, notre rôle, justement, c'est de définir un peu cette politique et de coordonner cette assistance. Et nous avons trouvé sur le terrain un certain nombre d'associations, d'organes, qui chacun aujourd'hui est en train de se réclamer de l'action humanitaire. Au total, 980 tonnes de vivres et non-vivres ont été distribués aux populations. L'État a pris en charge pratiquement tout ce qui concerne la logistique, c'est-à-dire les camions qui ont transporté les produits. L'État a pris en charge tout ce qui concerne la prise en charge même des caravaniers, c'est-à-dire les pécules à donner pour les gens qui devaient partir sur Kidal, sur Tombouctou,
sur Gao. Il y a le PAM aussi qui nous a accompagnés à partir de Mopti avec des produits, notamment de l'huile, de la farine, des légumineuses et autres denrées. Mais ce genre d'action salvatrice ne peut pas aller sans contrainte. Donc ça ferait une affaire. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que j'aime bien gagner. La difficulté réside même de l'état du terrain, qui fait que les convois sont ralentis à cause de l'état des routes. À Bamako se trouve aussi un nombre important des populations ayant quitté le nord suite à la crise. Et c'est au niveau des mairies que certaines mesures ont été prises pour que ces dons parviennent à leur destination. À notre niveau, nous avons reçu 2300 déplacés et qui fait effectivement plusieurs familles. Et effectivement, nous avons eu à recevoir du ministère des Affaires sociales des dons et qui est adressé effectivement à l'endroit de ces déplacés pour effectivement un soutien moral. Et en dehors, effectivement, des efforts que la commune même a investis. La situation aujourd'hui, moi, je pense que c'est... On peut dire que vraiment ça va par rapport à la distribution qu'on est en train de faire. Elles sont nombreuses, les populations déplacées à Bamako. Elles ont été recensées pour recevoir leurs dons. Sur le sujet, les avis sont partagés. On m'a remis mon ticket pour aller retirer les dons qu'on nous a remis aux déplacés. Je vais aller nourrir mes enfants avec ça. Je suis venu avec mes enfants et mes soeurs. On a bel et bien été recensé. C'est suite au recensement qu'on nous dit que de nous référer à notre commune, on va avoir quelque chose là-bas. En tout cas, jusqu'à ce moment où je vous parle, par rapport aux dons, on n'a rien vu. Il paraît qu'on devrait avoir des choses au niveau de la commune, certes au niveau de la mairie, mais jusqu'à ce moment où je vous parle, en tout cas, on n'a encore rien eu concernant cette commune-là. Je suis un déplacé dans la commune 5. On s'est inscrit, mais jusqu'à présent, on n'a pas reçu de dons. La gestion des dons est publique. Sur la question, les commentaires fusent de partout. Mais dans tout ça, qui est responsable de quoi? On fera le point le moment venu de la situation de ces dons, de la répartition de ces dons en faveur de nos parents au niveau des communes. Si ça n'arrive pas au destinataire, ça nous fait mal. On a un problème, un cas de conscience pour cela. L'humanitaire est un domaine complexe et ce n'est pas n'importe quelle association ou organisation qui s'y connaît. Depuis un certain temps, on est en synergie pas seulement avec le Coran, avec la Croix-Rouge, avec le ministère et toutes les personnes de bonne volonté parce que l'essentiel pour nous, ce n'est pas le Coran, ce n'est pas cri de cœur, c'est nos populations qui sont en détresse. Les gens qui se sont lancés dans l'action humanitaire, ils ont pensé que c'était quelque chose de facile. Mais après eux-mêmes, ils se sont planchés parce qu'ils ont vu que c'est une question extrêmement délicate, extrêmement sensible et il faut du professionnalisme pour ça. Devant la situation que vit le pays, il est louable de constater que l'élan de solidarité se maintient et même se renforce. Du sport pour terminer, les Jeux olympiques de Londres 2012 s'ouvrent ce vendredi 27 juillet et dans exactement 5 jours, contrairement à Athènes 2004 et Pékin 2008 où le football et le basketball dames avaient considérablement grossi les délégations maliennes. Notre participation à Londres 2012 est confiée à 6 personnes, 2 athlètes, 2 nageurs, un judoka et un combattant du taekwondo. Papa Omar Diop nous présente la délégation malienne. Les Jeux olympiques de Londres 2012 sont pour notre pays ceux de la représentativité minimale. Parce qu'en 2004 à Athènes, il y avait le football comme sport d'équipe, avec une grosse délégation à Volos et Thessalonique, où le Mali a fait forte impression face à la Grèce, la Corée et l'Argentine de Carlos Tevez et l'Italie d'Andrea Pirlo. À Pékin, c'est notre équipe nationale de basketball dames, championne d'Afrique en titre, qui a constitué le gros de la troupe au JO 2008. Le groupe de Amchetou Maïga vivait alors une période faste. Pékin 2008, c'était aussi l'espoir légitime de médaille pour le champion du monde de taekwondo, Daba Modibo, qui était le porte-drapeau d'une délégation malienne conséquente en nombre de participants. En cette année 2012, la délégation malienne ne comporte que 6 athlètes. Un judoka, Omar Koné,
d'abord Modibo Keïta pour le taekwondo, Moussa Camara et Rahmatou Dramé pour l'athlétisme, respectivement en 800 mètres hommes et 100 mètres haies dames. Pour la natation, Fatoumata Samasekou et Mamadou Soumaré. Chaque sportif participant induisant l'accompagnement automatique d'un dirigeant de son sport, un encadreur technique et un soigneur, les 6 athlètes maliens seront donc dans une délégation de 31 membres avec sportifs, entraîneurs, dirigeants fédéraux et invités de marque. C'est au soir du 23 juillet que le départ officiel se fera avec une admission au village olympique à partir du 25 juillet. Sans céder au coubertinisme, une petite comparaison qui peut même être raison s'impose. En 100 mètres haies dames, le meilleur temps de Rahmatou Dramé, c'est 13 secondes 21. Le record d'Afrique est à 12 secondes 44 et du monde à 12 secondes 21. Nous sommes en sprint et ce sont des écarts conséquents. En 800 mètres hommes, Moussa Camara nous a fait une belle surprise en gagnant sa demi-finale à Porto Novo il y a moins d'un mois. Mais avec 1 minute 46-38, ça ne pèse pas lourd face à David Rudisha qui a 1 minute 41-05. Donc, pour nos athlètes, passer un tour, c'est déjà très honorable. En natation, les deux jeunes Maliens, Samasekou et Soumaré, acquièrent de l'expérience en participant, c'est tout. Le judoka Oumar Kone de l'USPAS a une chance à saisir après les petites prestations de Birama à Athènes. Le vrai challenge pour la délégation malienne au JO de Londres 2012, c'est encore et toujours le taekwondo avec Daba Modibo Keïta. Et ce qui est clair, c'est que c'est cette année ou jamais. Nous souhaitons une bonne chance à nos athlètes et surtout beaucoup de courage. On n'oublie pas aussi nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Nous sommes de cœur et d'esprit avec vous ce soir pour le 20h des Sissoko. Merci de votre attention. Une très bonne journée de repos à tous.